Moi, il n'y a pas de vent, hein? Non. Il n'y a pas de vent, du coup, pour l'instant, nos moteurs. T'as monté la GV? Et il y a combien de vent? Je sais pas. Il n'y a pas grand chose. On va mettre le code zéro. On va mettre le code zéro. On va sortir, il y a une régate. Une régate. Ah ouais, il y a une petite régate. Puis là, il y a une petite bouée. 4 nœuds. 4 nœuds de vent. C'est pas foufou, hein. Une petite régate, là. Ah non, on fait pas la régate, hein. On fait une petite nave. Se remettre un peu à flot, tester les appareils. Il a réparé son pilote auto. Et on devrait pouvoir. Enfin, on va essayer cet été de partir à Majorque. On a fait Minorque l'année dernière. Vous avez vu nos vidéos. Encore merci pour nous suivre aussi nombreux. 4 nœuds de vent. Alors, les gars. Bonne chance pour la régate. Bon, nous, nos moteurs, hein. On triche, hein, mais bon, on fait pas la course, nous. Nous, on va Puerto de la Selva, on rejoint Guillaume pour l'apéro, donc pas rigoler, hein. Si on va au vent, on arrive demain matin. Là. Tu mets la ligne? C'est des petits macros, peut-être? C'est bien ce macro pour midi. On a eu plein de commentaires sur la chaîne comme quoi on ne nous entendait pas bien quand le moteur est en route, quand il y a beaucoup de vent. Donc on a des petits micro-cravates. Voilà, enfin, que je me penche sur la question pour voir comment ça fonctionne. C'est pas bien compliqué. Voilà, donc je les ai mis en charge, on a entendu les commentaires. Vos vidéos sont bien, mais dommage pour le son quand il y a du moteur ou du vent, on vous entend pas. Donc bah, on s'améliore. Merci pour les commentaires, ça nous fait progresser. On débute dans la vidéo. Et, voilà, c'est un peu du spontané nos vidéos et on s'installe pas forcément avant avec tout le matos. Mais c'est vrai que c'est pénible quand il y a... bon, on vous entend pas parler, donc voilà, on a investi dans des petits micros pour le son. On essaiera ça prochainement. Donc voilà les petits micros en question. On a éteint le moteur, enfin. Voilà, on est avec le code. Et ben on a combien de nœuds? Voilà, nous on est à 3, un peu plus de 3 nœuds. Plus de 3 nœuds avec un vent au sol à 6 nœuds, 6. Voilà. 3 kilos. On retrace, hein. On retrace pas. Par contre, l'homme c'est tranquille, ça fait du bien. Ah bah ça c'est tranquille, ouais, ça c'est une reprise tranquille. Je vais pas avoir de mal de mer. Hein. C'est cool. Voilà, tranquille. Les dauphins, hein, on peut toujours les voir, hein, toute saison. Ouais. Il suffit de d'être sur leur chemin. Peut-être du macro, j'ai mis une ligne. Ah, du macro. On a déjà mangé le macro, mais en boîte. En boîte. C'est plus facile, on est plus sûr de manger. Bon allez, ciao. Bon ciao. Appétit. Ciao, bon appétit, ouais. Bon appétit. L'apéro. Des jugeotins. Apparemment, on a vu sur la IS, et ben il trace le monsieur. Avec son beau SPI, non? Code D. Code D. Code D. Immense. Il est immense. Un Ben.
Ah ouais? Magnifique. Il trace, hein, le garçon. Jugeotin. Alors on se traîne, hein. On pense qu'on a la coque bien chargée pour faire le carénage et on a peut-être même quelque chose dans les disques. Quand on met le moteur, ça fait vraiment un sale bruit. Donc ça arrive en mer des fois qu'on chope des les poubelles de la mer, quoi, des sacs plastiques, des cordages, ça s'enroule dans les disques, ça fait un bateau. Là, on devrait aller bien plus vite. On connaît notre bateau, normalement, on stagne à 5-6 nœuds, là. Un peu bizarre. Voilà, on continue la route vers Porto de la Selva. Et ben, on n'est pas arrivé. Ça va être long. Et plus c'est long, plus c'est bon. Et il y a du soleil. On est bien. Sympa toutou. Oh, oh voilà, on est reparti. Oh là là, mon pauvre. Thank you.
if I